5 000. Ça, c'est un roche volcanique. Très belle et rare. Dans les galeries, ça coûte une fortune. Un bien culturel est par nature irremplaçable, comme une vie. Y porter atteinte est plus que voler ou léser, c'est tuer un peu. Laissez-moi vous dire, messieurs les collectionneurs, qu'ici vous voyez le résultat de votre intérêt pour la culture. En achetant des objets archéologiques, vous faites la promotion directe du pillage et de la destruction de notre héritage culturel. Il ne pense qu'à détruire. Si on détruit tout, il ne restera plus rien à la génération suivante. Les jeunes qui ont fait cela ne connaissent pas l'importance de cet objet. Avec ce fétiche, nos ancêtres ont pratiqué de multiples sacrifices. Ceux qui ont fait cela ont vraiment beaucoup nui à notre village. Okay. Malheureusement, il n'en a aucune conscience. En général, ils n'ont aucune conscience de la valeur marchande, de la valeur que prennent les objets d'art dans les marchés occidentaux, dans les marchés européens par exemple. Des marchands d'art qui agissent de façon illicite, exploitent l'ignorance des populations, le fait qu'ils sont déconnectés de tout le système du marché d'art occidental. Ne sachant pas les valeurs, écoutez, ils bradent n'importe quoi à n'importe quel prix la plupart du temps. Nous reconnaissons cela. Mais malheureusement, dans la situation économique que nous vivons, nous nous voyons obligés de faire ça pour subsister. Les objets culturels ont une fonction de mémoire qui va au-delà de la simple loi de la guerre ou de la simple loi marchande. Pour lutter contre le fléau du pillage des biens culturels sous l'impulsion du marché, la convention adoptée dès 1970 par la Conférence générale de l'UNESCO prévoit 3 types de mesures. Tout d'abord, un énorme effort d'inventaire, de formation, de certification qui permet de contrôler l'identification et la circulation des biens culturels dans chaque pays. Cela passe aussi par un vaste programme de formation, d'organisation, de moralisation, dans lequel la voix de l'opinion publique doit se faire entendre. Aujourd'hui, il y a des sites, notamment archéologiques, entiers, qui sont pillés au Pérou, en Équateur, au Niger, au Nigeria, où le trafic et la volumétrie du trafic ne se limitent pas à une ou deux œuvres, mais à plusieurs milliers d'œuvres. Et donc ça met en danger le patrimoine de ces pays, la reconnaissance identitaire aussi, dans ce patrimoine de ces pays, et puis un enrichissement du trafic très important dans le monde. À l'autre bout de la chaîne, les États parties s'engagent à sévir contre l'importation et la détention par leurs ressortissants de tout bien indûment mis sur le marché après l'entrée en vigueur de la Convention et à en imposer la restitution moyennant dédommagement de l'acquéreur s'il peut prouver que sa bonne foi a été surprise. 16 millions. 16 millions. 18 millions. La Convention n'est cependant pas rétroactive comme il est d'usage constant en matière juridique. Enfin et surtout, les États parties affirment leur résolution à coopérer par tous les moyens possibles pour lutter contre le trafic international de biens culturels, facilité par la différence des législations et des capacités de contrôle entre les pays. Les trafiquants d'art, ceux qui se livrent consciemment au trafic illicite, sont souvent très bien informés et savent, devant les tribunaux, faire jouer les législations les unes contre les autres en se servant des trous dans les mailles du filet. Le premier, c'est Yann Bruegel. Celui-là, là ? Voilà, allégorie de la Terre. Allégorie. Oh, les mecs, en plus, étaient armés quand même. Hein. Ouais. Ah, la grenade et tout. Ouais. Pendant plusieurs années, le marché de la religieux avait diminué. On l'avait vu notamment au niveau des cotes des objets. Et puis là, c'est en train de remonter assez fortement. Et on constate une augmentation des vols. Madame,
nous suivre, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Il y a la voiture, là. Qui vous a demandé de faire ça, alors ? C'est un monsieur qui achète des objets. Bon, il s'appelle comment ? Finalement, l'idéal serait que chaque pays dispose d'une structure composée de policiers spécialisés dans la lutte contre le trafic des biens culturels. Ces structures n'ont pas nécessairement besoin d'être très étoffées. Quelques personnes suffisent. Mais au moins, on aura dans chaque pays des gens qui vont suivre les phénomènes et qui vont peut-être alerter les pouvoirs publics de leur pays sur des phénomènes qui n'ont pas été détectés, justement parce que ces structures n'existent pas. La manière la plus efficace pour combattre le trafic international d'objets d'art est à mon avis la collaboration entre les États et en conséquence la collaboration des forces de police. La signature de conventions telles que la convention de l'UNESCO de 1970 et d'accords bilatéraux entre les États pour contrecarrer le trafic illicite peut en effet convaincre les collectionneurs et les institutions muséales de ne plus acquérir d'œuvres d'art sur le marché noir. Museali, convincere i collezionisti nel mondo a non acquistare più sul mercato nero le opere d'arte. Les objets ils traversent les frontières mais très rapidement, d'abord pour les blanchir de manière à les vendre à des tenteurs de bonne foi, des gens qui croient que qui sont loin de penser qu'ils ont des objets volés dans les mains, hein. Et comme ça, le blanchiment, il est fait, c'est fini. L'ampleur de ces trafics et les sommes qu'ils mettent en jeu imposent la mise en œuvre de moyens d'envergure. Et l'action d'Interpol est à cet égard d'une importance majeure. Malheureusement, dans assez souvent de cas, après un vol, il n'y a pas la documentation qui permet aux services de police, par exemple, de faire leur travail, parce qu'il n'y a pas de description précise, il n'y a pas de photographie. Donc c'est déjà une chose. Et après, bien sûr, il faut se donner les moyens au niveau national de mieux contrôler le marché. Le mieux, c'est déjà l'autorégulation. Ça veut dire qu'il existe des codes de déontologie, par exemple, pour le marché de l'art, de ne pas acheter des objets sans provenance. Et bien sûr, pour les musées aussi. Et pour aider ces instances à faire ce travail, Interpol y contribue activement en mettant, par exemple, la base de données à leur disposition. Nous avons des règlements dans notre profession que nous devons de respecter. Comme ça, s'il y a le moindre problème, on verra que la procédure a bien été respectée. Quand on achète en salle des ventes, on considère que c'est le commissaire-priseur qui est responsable de la provenance de l'objet. Les antiquaires français, enfin les revendeurs d'objets d'occasion, ont l'obligation d'inscrire dans leur livre de police leurs achats. Et c'est une très bonne chose. Pour moi, le marché est très sensible à ce problème. Et les gens voudraient continuer à exercer une profession qui les passionne et qui les fait vivre de la façon la plus légale possible. Donc, ils sont tout à fait d'accord pour avoir des limites. Mais quelquefois, si les limites sont trop contraignantes, qu'est-ce qui se passe ? Il peut se passer que les gens abandonnent, et ça, je trouve ça dommage, ou il peut se passer que ça verse dans l'illégalité. Le rapprochement des diverses bases de données nationales contribue efficacement à contrer les trafiquants. Voici un exemple emblématique. Nous sommes sollicités en urgence par Interpol Vienne, car dans une salle des ventes en Autriche devait passer ce tableau. Cette photographie, je l'ai sauvegardée dans un fichier. Je la soumets directement à notre photothèque Tréma. Et cette photo va être comparée aux autres photos que j'ai dans la base. Et donc, en quelques secondes, voici, la photo a été comparée à 15 449 autres photographies de tableau. Et pour la machine, la photographie la plus approchante, c'est celle-ci. Photographie du tableau volé, l'image requête. Vous voyez. Donc, il s'agit d'un vol du 6-9-96, un vol effraction dans une galerie à Paris,
Immédiatement, j'ai rappelé mes collègues autrichiens. J'ai dit, vous bloquez la vente. On va diligenter une enquête à partir de la France. Acteurs majeurs, les musées ont un rôle exemplaire à jouer. Regroupés dès 1945 au sein de l'ICOM, ou Conseil international des musées, ils se sont fixés un code de déontologie qui fait référence. Nous sommes un initiateur en fait au niveau de l'expertise, puisque nous rassemblons des comités d'experts dans le monde entier pour définir un certain nombre de listes d'œuvres d'art qui ont soit disparu, c'est ce qu'on appelle notamment la série des 100 objets disparus que nous publions en fonction des régions du monde. Également toute une série d'objets qui sont en danger. Et nous diffusons cette information auprès de l'UNESCO, mais bien entendu aussi auprès des différentes polices du monde via Interpol et des douanes du monde, afin que ce contrôle puisse se faire de façon tangible lors des déplacements d'œuvres. Sur la base de la Convention de l'UNESCO de 1970, l'Institut international pour l'unification du droit privé, créé à Rome en 1926, a pris le relais et mis au point la Convention Unidroit de 1995 qui harmonise le droit privé pour lequel l'UNESCO n'a pas compétence. Les États qui ratifient la Convention d'Unidroit montrent à la communauté internationale qu'ils s'impliquent dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, et cela va permettre aux États de mieux faire appliquer leur propre législation à l'étranger et de protéger un patrimoine qui aujourd'hui est global et il est celui de tous. La Convention d'Unidroit rend plus opérationnelle la Convention de l'UNESCO de 1970 en permettant une action juridique directe contre le détenteur des biens illégalement commercialisés. Elle pose le principe révolutionnaire que tout bien volé sera restitué. Elle impose par ailleurs au détenteur qui prétend à une indemnité d'apporter la preuve de sa diligence lors de la procédure d'acquisition. Il y a là un puissant ressort pour obliger tous les acquéreurs et tous les intermédiaires à se plier aux lois qui protègent le patrimoine et les biens culturels. Prenons conscience de ce que toutes ces atteintes éparses à une pléiade de biens culturels font en détail sous nos yeux, ce que les guerres trop souvent accomplissaient en gros et qui nous fait horreur. L'UNESCO a été pionnière en ce sens que dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a pu, en 1954, proscrire la destruction des biens culturels en cas de conflit armé. Avec la reconnaissance par l'ensemble de la communauté internationale, c'est déjà le début de la notion de bien commun de l'humanité, qu'il y a certains objets qu'en aucune circonstance on ne devrait toucher. Après 1970, l'UNESCO s'est également préoccupé des questions relatives aux périodes antérieures que ne couvre pas la Convention. Restituer au pays qui l'a produit telle œuvre d'art ou tel document, c'est permettre à un peuple de recouvrer une partie de sa mémoire et de son identité. C'est faire la preuve que dans le respect mutuel entre nations se poursuit toujours le long dialogue des civilisations qui définit l'histoire du monde. Le comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la promotion du retour des biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale a été créé par la Conférence générale de l'UNESCO en 1978 en tant qu'organe intergouvernemental consultatif. C'est un comité dont l'objectif était surtout de faire de la promotion et de servir d'intermédiaire en cas de besoin entre les parties prenantes pour la restitution des biens que les pays considèrent quand même comme des biens essentiels à leur mémoire historique, à leur mémoire culturelle. Il s'agit d'une instance de médiation et de travail en commun qui offre aux États membres un cadre de discussion, voire de négociation, et qui adresse des recommandations à la communauté internationale. L'abus envers les biens culturels que combattent les conventions de l'UNESCO est certes le fait répréhensible d'actes de guerre ou de trafic illicite, mais trop souvent aussi, c'est le fait inconscient de Monsieur Tout-le-Monde, cédant à la tentation de rapporter avec lui son petit trésor. Prenons conscience de nos responsabilités personnelles.
Voici deux fresques qui sont un bon exemple de coopération entre États pour la récupération d'éléments du patrimoine culturel. Ces deux fresques ont été identifiées en Grèce par les carabiniers et ont fait l'objet d'une commission rogatoire internationale. Il s'agit de fragments provenant de la Grotta delle Formelle, dans la province de Caserta, en Campanie, au sud de l'Italie. Ces œuvres ont été restituées à l'Italie en mars et ont pu rejoindre le patrimoine culturel italien. Ces fresques ont été restituées, comme beaucoup d'autres objets. Par les conventions qu'elle a promues, comme par des actions inlassables de formation, d'assistance technique et de conseil, l'UNESCO s'emploie à faire progresser la conscience universelle de ce qu'il s'attache aux biens culturels, une valeur très supérieure à leur simple qualité de bien. Une valeur éthique qui touche au fondement même de la dignité humaine. Les biens culturels ne sont pas faits pour l'appropriation jalouse, mais pour exalter l'humanité tout entière. Lutter pour leur juste place est une cause juste. Rien ne symbolise mieux le manque de respect ou le respect entre nations que la façon dont un pays et ses citoyens traitent l'héritage culturel d'un autre pays. Cela a une importance qui ne pourra jamais être suffisamment soulignée. Respecter les biens culturels, c'est respecter l'humanité. Aidons-nous mutuellement à le faire en appliquant les conventions de l'UNESCO.